Yo, what's up tout le monde, bienvenue sur cette petite vidéo. Je vais continuer ma petite série dans laquelle je vais vous raconter un petit peu les diverses armes que j'ai pu looter et leurs caractéristiques et ce que j'en pense aussi. Puis n'hésitez surtout pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez d'une de la série et de deux de l'arme, pourquoi pas. Voilà, donc tout d'abord je voulais vous parler de cette arme donc, qui s'appelle le 4ème cavalier. Alors attention, cette arme est une exclusivité PlayStation, donc vous la trouverez uniquement sur PS3 ou sur PS4, voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu, vous voyez déjà que l'arme, franchement, moi je la trouve super jolie, un petit skin à l'ancienne comme ça. Franchement, ça passe bien, voilà. Donc je vais vous montrer l'arme en particulier, donc voilà, un beau fusil à pompe. Pas de soucis, donc les dégâts sont cryo-électriques. Il commence à 286 et comme vous pouvez le voir, il passe jusqu'à 331, comme quasiment toutes les armes du DLC, voilà. Donc vous pouvez voir que les frags réalisés avec cette arme vous procurent des munitions supplémentaires. Et il a aussi une compétence qui permet à la dernière balle du chargeur de faire plus de dégâts, voilà. Alors vous allez voir, je vais vous faire, hop, je suis en live, hein, je commente en live, je vais vous faire une petite démonstration vite fait. Vous allez voir que cette arme a une portée mais vraiment minable, vous voyez, je touche à peine d'ici. Un peu plus près ça passe bien évidemment, mais bon, le bruit est vraiment sympa. Et donc, il y a une amélioration, j'ai pu regarder, je ne l'ai pas encore eu trop le temps d'améliorer parce que j'ai beaucoup d'armes à améliorer en ce moment. Mais j'ai vu qu'il y avait une amélioration qui permettait de que cette arme était efficace à très longue portée. Donc voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Sinon, bah, comme tous les fusils à pompe, hein, c'est une arme qu'on utilise vraiment pour jouer comme un bourrin. Et d'ailleurs, cette petite phrase ici en haut nous le rappelle. Ceci n'est pas une arme de résistance, elle est faite pour éclairer la voie, voilà. Toutefois, je suis assez content de l'avoir looté, même si, voilà, je sais que les fusils à pompe, moi, je les utilisais surtout en PVP. Aujourd'hui, je joue plus du tout en PVP, je suis plus du PVE. Le PVP, ça m'a un petit peu dégoûté sur Destiny avec les différences de connexion. Mais voilà, donc, c'est une arme assez sympa. Je suis quand même content de l'avoir looté. C'est une exclusivité, ça fait toujours plaisir et c'est une arme qui change, une nouvelle arme du DLC, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous pensez de l'arme, puis ce que vous pensez de cette série, si vous voulez, je continue ou pas. Quant à moi, je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite vraiment de très bonnes fêtes. Au moment présent, vous écoutez la vidéo, et on est parti en vacances, dédiez-moi, au revoir la famille, les amis, tout ça. Donc faites de même, je vous souhaite de faire vraiment de même, de profiter un peu des vôtres en cette fin d'année. Je vous fais des très gros bisous, et on se retrouve très vite. Bisous tout le monde, ciao!